C'est mardi, mange, mange. Ouais, ici, ça graille. Merci. Bonjour, bonsoir, bonjour. J'espère que ça va. Moi, ça va. Où sont ces écouteurs? Ah, les voici, les voilà. Moi, ça va. Il fait beau, il fait un peu chaud. On va sortir, on va aller chercher à manger parce qu'on a faim. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des Philly cheese steak avec des frites, du cheddar, du parmesan. Et si je trouve, de l'huile de truffe. Donc, on y va. Mardi mangement, épisode 5. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Gars, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Je viens de rentrer, tu vois. C'est comme c'est l'après-midi, début de soirée, tout ça. Il y a moins d'articles dans le magasin, tu vois. Et donc, du coup, j'arrive dans le rayon fromage. Il reste un morceau de parmesan, tu vois. Je commence à me dépêcher pour aller prendre le morceau de parmesan. Je vois qu'il y a une mémé qui m'a vu voir le morceau de parmesan. Donc la mémé, elle se dépêche et elle prend le morceau de parmesan. Et là, elle commence à me dire, ah, trop tard, trop tard. Et moi, je lui explique que voilà, c'est mardi mangement, c'est mon seul jour off de la semaine. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi le dernier morceau de parmesan, tu vois. Et là, elle me dit, bah, viens me battre. Oh, et là, je suis tombé de haut. Je me suis dit, je vais quand même pas aller me battre avec une mémé pour un morceau de parmesan. Quand même. Quand même. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, pour regarder des fesses bombées, la mairie Corée. Philly cheese steak sandwich et les frites au cheddar et au parmesan. Et peut-être à la viande, je vais peut-être ajouter de la viande, tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. De quoi a-t-on besoin? La viande, le fromage, le parmesan, yaourt nature, les baguettes pour faire le sandwich et les frites. On commence avec la viande. Je vais me faire plaisir, je vais mettre un peu d'huile de sésame. Voilà. Et un chouïa d'huile d'olive à la truffe. Voilà. Ce qui est des épices, je vais rester basique. Du sel, de l'ail, ail, gingembre, chili, tu connais. Du poivre, classique. Notre fameux mix marocain. Voilà, voilà. En attendant que la viande finisse de cuire, on va préparer le pain du sandwich. On va s'attaquer à la préparation des frites. Pas mieux dans le air fryer, on retourne toutes les 5 minutes pour homogénéiser. T'as vu l'emploi du mot du dictionnaire ou pas? Pour homogénéiser la cuisson. Oh là là! Non, moi je bois la langue de Molière, chacal, oui monsieur. Ensuite, on va râper notre cheddar et notre parmesan. Bon, un petit souci technique, je viens littéralement de casser mon couteau. À vous les studios, je.
on met au four pendant 2-3 minutes, histoire de faire fondre le fromage, et puis on aura nos loaded fries prêtes à partir. On va les mettre. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mardi mangement, épisode 5. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame. Que Dieu bénisse, que l'argent coule à flot, que les fesses bombées continuent de grossir. Amin, amin, amin. Alors, on va goûter d'abord les loaded fries. Je sais pas si tu vois, mais là il y a un truc là. Là il y a un truc. En fait, l'huile de truffe là, l'huile de truffe, c'est du crack. C'est du crack, c'est de la cocaïne. Je vois pas d'autre. Je vois pas d'autre explication en fait. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je. Le mélange huile de truffe parmesan, il est infaillible. Infaillible en fait. Infaillible. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Parmesan, huile de truffe, c'est comme Son Goku et Vegeta. C'est comme Olivia Tone et Ben Baker. C'est comme moi et les fesses bombées. C'est comme Booba et le vocodeur. C'est comme les Comoriens et le rap français. Ça va ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ça va ensemble. Le café et la cigarette. Je ne fume pas, on m'a dit. Déjà, tu sens le moelleux dans le bail. Oh là là. Tabassage en bonne et due forme. Waouh! Franchement les frites elles tuent. Franchement les frites elles ont tué de ouf. Je vais noter les frites 8. Le futuring truffe parmesan là, injouable. Pour le sandwich, le sandwich il était bien, mais la recette complète du cheesecake, la recette complète du cheesecake, en fait, faut que t'ajoutes de la crème, pour que la crème soit coulante sur le sandwich, etc. Bon, comme hier, j'ai pas trouvé de crème, il me manque la crème. Mais ça reste quand même lourd, tu vois. Mais c'est pas complètement un Philly cheesesteak. Peut-être qu'on peut appeler ça un chili cheesesteak. Mais franchement, je vais noter ça. Allez, je peux pas mettre 8 parce que je trouve que les frites étaient meilleures que le sandwich. Du coup, je vais noter le sandwich 7,5. Voilà, 7,5. Je pense que 7,5, c'est une note correcte. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé, mettez un like, ça aide la chaîne à grossir. N'hésitez pas à vous abonner et on s'attrape bientôt, je l'espère, la semaine prochaine, si tout va bien, dans un nouvel épisode. Allez, ciao!